Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Kalou. Il y a bruit autour de moi, je suis dans un stationnement d'un Tim Hortons. Ruby, elle a puis un chat à côté de moi, fait que j'en ai vraiment besoin. Mais bon, Ruby a passé 2 heures à la garderie, puis moi je vais venir étudier. J'ai pas déjeuné non plus, fait que je vais me prendre un wrap déjeuner. Les études, ça va très bien. J'essaie de compléter mes cours avant 2 semaines. Je sais pas si ça va être faisable, mais j'essaye parce qu'après ça, je commence l'école. Ça va tellement vite. J'ai eu comme mon oui vendredi, le 5, je pense que c'était où. Puis je commence comme, là on est le mardi 8, je commence le lundi 21. Fait qu'on s'entend que ça s'en vient hyper rapidement. J'ai ce qu'il faut côté comme sac école, mes affaires. Mais j'attends l'horaire cette semaine, fait que j'ai vraiment hâte de voir. J'espère que l'horaire va bien marcher pour que je puisse faire la technique sur 3 ans. J'attends les nouvelles de savoir si mon cours que je fais en ce moment, il compte pour être complété. Fait que je me croise les doigts. Mais je vais commencer un vlog parce que j'ai un petit haul de Dollarama à vous montrer tantôt. Mais aussi parce que mon mari et moi, ben il probablement est en vacances cette semaine, fait qu'on voulait refaire un podcast live. Prise 3! Vous avez tombé par terre. On voulait faire un podcast live une fois par mois. On l'a pas fait le mois de juillet. On avait des risques de problèmes de santé, tout ça, d'Étienne, puis c'était compliqué. Mais là, on aimerait ça. Fait que on voulait le faire à place d'un jour de semaine cette fois-ci. On veut le faire le samedi, ce week-end, dans le fond, à 21h. Ouais, c'est ce que je vais dire, 9h le soir, mais 21h. On va dire 21h probablement parce que c'est un samedi, on se dit que le monde, tu sais, sort un peu plus tard. Fait que c'est ça. Puis aussi, les enfants, des fois, ils se couchent un peu plus tard. Fait qu'on hésite entre deux styles de podcast à faire. On va soit faire, moi, souvent dans des groupes que je trouve, genre, que ce soit des groupes de maman ou des groupes de whatever, il y a du monde qui pose des questions anonymes. Puis il y en a qui sont vraiment intéressantes ou vraiment genre « wow ». Fait que ça se peut qu'on prenne comme des screen grabs de ces affaires-là, puis que tout anonyme bien sûr, puis qu'on discute, on donne des, tu sais, ce qu'on en pense avec vous, puis qu'on jase, ou ça se peut qu'on fasse un ça ou ça. Fait que ça, c'est comme deux exemples de podcasts que c'est sûr qu'on va faire dans les prochains temps. Je sais juste pas exactement quel qu'on va faire ce week-end. Si vous avez des idées, laissez-nous dans les commentaires. Mais on se retrouve samedi, je crois que c'est le 12 août, ouais. Samedi le 12 août à 21h en live sur YouTube. Il va être disponible en rediffusion après, mais c'est vraiment le fun quand c'est live parce que vous pouvez comme participer dans les commentaires, répondre à des questions avec nous, nous poser des questions. C'est comme vraiment plus interactif, puis on aime ça. Fait que c'est ça, je vous invite là si vous n'avez rien à faire ce samedi soir. Puis même si vous arrivez vers 9h30, là, il n'y a pas de problème. On sait d'habitude, on est là au moins 1 heure. Fait que c'est ça, je voulais vous annoncer ça. Je vais aller déjeuner, faire mes études et on se reparle après pour le haul. Bon, donc avant que j'oublie de vous montrer encore une fois mon haul de la main, je vais vous montrer tout ça. Puis je vais l'arranger par la suite. Je vais aussi vous montrer. Ah, sur Amazon, j'ai commandé un sac à dos pour mon école. Là, puis je l'aime, il est vraiment beau. Puis il était comme 40$. Je pense qu'il y avait un coupon qui me donnait un rabais de 18$. Là. En tout cas, c'était bon. Fait que je vais vous montrer tant qu'à faire au cas où vous avez des ados ou pour vous. Là. Fait que j'ai acheté des éponges. Il était dans un paquet fermé, mais Ruby elle joue avec. Fait que c'est pour ça que c'est ouvert. Mais c'est ça. J'utilise pas les éponges justement parce que moi je préfère justement les brosses de même. Mais tu sais, c'est pratique pour les contours et tout. Fait que d'autres petites brosses. J'en ai pris 2. Avant, il était 2 pour 1,25, là, sont 1 pièce chaque. J'ai pris des pailles parce que j'en avais plus, puis Ruby, elle en prend pour voir ses yops. Fait que des pailles réutilisables avec une brosse pour nettoyer. Fait que Ruby, elle aime bien ça à date. J'ai pris un loofah pour moi. Ça fait 3 semaines que j'en ai plus dans la douche, puis ça m'achale vraiment de me laver avec ma main. J'ai pris ces petits trucs-là pour la fête de Chelsea. On s'en va une place de jeu. Puis il va y avoir des petits amis avec elle. Fait que j'ai pas pris beaucoup de trucs parce qu'il leur donne des billets pour jouer dans l'arcade, une slot, puis tout. Mais j'ai trouvé cute les petits bracelets snap comme ça. Fait que j'en ai pris. J'ai pris pour mon école des crayons à mine. Je utilise beaucoup le stylo. Mais vu que mon orthographe en français est pas le meilleur, j'aimerais ça avoir l'option de juste écrire mes pensées et ensuite me corriger
comme je fais en anglais, c'est ça que je fais, j'écris sans penser, genre non-stop, puis ça tombe bien, mais là, il faut que je me corrige, fait que j'ai pris ça. J'ai juste pris un efface, bâton efface comme ça. Sinon, pour la fête à Chelsea, j'ai pris un numéro 7 pour mettre sur son gâteau. J'avais acheté ce glaçage-là aux États-Unis pour son gâteau, fait que avec la petite chandelle 7, ça va être parfait. Puis j'ai acheté des moules à gâteau aussi pour faire son gâteau parce que j'en avais pas. Fait que j'en ai pris deux. Je vais faire un petit deux étages, le bain simple, petit bonbon rouge. Et dernièrement, j'ai pris des petits verres comme ça. Tu sais, des verres lavabo là, quand tu brosses les dents. Le seul que j'avais en haut, il est rendu tout bougé par le chien. Fait que je vais en mettre un en bas, un en haut, puis les autres, je vais les garder ici en backup. Là. Fait que c'est ça. Ah, oh, puis le sac aussi, je voulais vous montrer. J'ai pris aussi un sac pour mettre le cadeau à Chelsea. Et on y a pris un kit de magicienne. Fait que j'ai pris le sac et le cadeau. Je le trouvais cute. Fait que je vais vous montrer mon sac à dos. Bon, donc voici mon sac à dos. Je l'aime vraiment. Je le trouve beau. Puis vraiment beaucoup de poches. Fait que premièrement, il y a comme un zip quand même assez profond ici. Il y a une autre poche ici avec une attache clé. Puis il y a deux poches sur le côté, comme ça. Puis tu as aussi en arrière, ça c'est comme la strap pour mettre ton sac à dos sur ta valise. Fait que mettons qu'on va quand je vais à l'aéroport, je peux rentrer mon sac. Il y a la gigapoche comme là que je vais mettre, mettons, mes livres, boîte à lunch. C'est pareil. Puis la dernière qui s'ouvre complètement, c'est la poche à laptop. Fait que j'ai mon laptop et il rentre là-dedans. Je sais pas si c'est un 14 pouces ou un 16 pouces, mais en tout cas, il rentre bien là-dedans. Puis j'ai la petite pochette en avant aussi pour ranger comme tout ce qui est chargeur, souris, tout ça. Fait que je le trouve vraiment beau. Le monde disait qu'il était durable et tout. C'est sûr que si t'as un enfant de 6 ans, il va devenir crotté sale parce qu'il laisse traîner leur sac partout, là, mais je me dis qu'à mon âge, je l'aurais pas pire. Fait que 40$ moins le rabais. Comme je dis, je pense que j'ai payé genre 32$ pour, mais je pourrais me tromper. Mais en tout cas, je l'aime bien. Fait que j'ai hâte. Allô! Yo! On chill dans le char parce qu'on est allé trapper Ruby pour un 2 heures à la garderie. Ils vont aller prendre une marche et dans le fond, on devrait se cacher, ben. Moi, je peux pas baisser mon banc. Mais en tout cas, c'est les choses que tu peux te cacher, on est allé manger au Allô mon coco, t'es con. Puis là, on va aller à son rendez-vous de cardiologie à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est quand même un petit bout. Mais je vais terminer le vlog parce que je vais le mettre en ligne pour que vous soyez au courant du podcast qui s'en vient. Donc, on se voit samedi soir pour le podcast à 9h le soir. J'espère que vous êtes là.